für dich beten. Tata na biso na likolo. Notre Père qui est aux cieux. Unser Vater, der im Himmel ist. Na kombo na Yesu Kristo, mwana na yo. Au nom de Jésus Christ, ton fils. Im Namen Jesus Christus, deines Sohnes. Par le Saint-Esprit qui nous a donné la voie de faire cette œuvre. Durch den Heiligen Geist, der uns die Kraft gegeben hat, hier zu arbeiten. Je viens devant toi et j'emmène toute cette église devant toi. Komme ich vor dir und mit der ganzen Kirche. Yanola moko na moko lelo na ba signe pe na ba prodige. Réponds à chacun de nous par des signes et des prodiges. Antworte jedem von uns durch Wunder und Zeichen. Tata guérir ba malade. Père, guéris les malades. Bitte heile die Kranken. Et délivre ba captifs. Et délivre les captifs. Und erlöse die Gefangenen. Bénis peuple na yo. Bénis ton peuple. Segne dein Volk. Et permette troupe ya ba anges ba camper ne sika. Et permet à la troupe des anges de camper en ces lieux. Und sage den Engeln hier zu weilen. Merci Tata. Merci Père. Danke Vater. Parce que le Saint-Esprit est en contrôle. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Weil der Heilige Geist hier in unter Kontrolle hat. Depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début jusqu'à la fin. Von Beginn an bis zum Ende. Merci, nous disons merci à toi. C'est pourquoi nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Merci, merci, nous nous asseyons dans sa présence. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Möge Gott erhoben sein. Nous ouvrons nos Bibles pour écouter la parole de Dieu. Wir öffnen unsere Bibel, um das Wort Gottes zu hören. Dans Luc chapitre 9, verset 1 à 2. Wir lesen im Buch Lukas, im Evangelium Lukas, Kapitel 1. 9. 9, Entschuldigung. 1 bis 2. Luc. Luc. Lukas. Chapitre 9. Kapitel 9, Vers 1 à 2. Vers 1 bis 2. Nabanjotanga. Je commence la lecture. Merci pour Nabanjotanga. Merci pour les bien-aimés qui sont debout. Lèvons-nous pour écouter la parole de Dieu. Erheben wir uns, um das Wort Gottes zu hören. La parole de Dieu déclare ceci. Das Wort Gottes sagt folgendes. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Ich lese, er rief aber die zwölf zusammen und gab ihnen die Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und sie zu heilen. Allons dans le chapitre 10 de Luc. Und im Kapitel 10 im Lukas Evangelium. Verset 17 à 19. Verset 17 à 19. Vom Vers 17 bis 19. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Siehe, ich habe euch Vollmacht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch beschädigen. C'est la parole du Seigneur. Das ist das Wort des Herrn. Amen. Sagt Amen, damit ich euch höre. Si ton Amen est plus fort que les autres, que Dieu te bénisse abondamment. Si ton amen vient du cœur, la fantastique, fantastique pour nous. Si ton amen vient du cœur, la journée sera fantastique pour toi. Wenn dein Amen vom Herzen kommt, dann weiß ich, wird es fantastisch für dich. Même Coca-Stick, même Pepsi Coca-Cola, nous pour nous. Même Coca-Stick, même Pepsi Coca-Cola. Also sogar Coca-Stick oder Pepito. Alléluia.
Je vous bénis au nom de Jésus. Ich segne euch im Namen Jesus. Ihr könnt euch hinsetzen. La parole de Dieu ce soir veut nous dire quoi? Parce que heute Abend will uns was sagen. Parce que j'avais dit aujourd'hui. Nous allons toucher avec à la délivrance aussi. Wir werden heute auch über die Erlösung sprechen. C'est quoi la délivrance? Was ist die Erlösung? Parce que tant que Parce que des fois, nous pensons que la délivrance n'est pas biblique, ça vient des hommes. Weil manchmal glauben wir, dass die Erlösung nicht biblisch ist, sondern von Menschen kommt. Na Isaïe, Bible azo banabiso, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour aller délivrer les captifs. Weil die Bibel sagt uns im Buch Jesaja, dass der Herr seinen Geist über mich gegeben hat und die Gefangenen erlösen kann. Il m'a oint pour aller guérir le cœur brisé. Und er hat mich gesalbt, um die gebrochenen Herzen zu heilen. Il m'a oint pour aller libérer le prisonnier. Und er hat mich gesalbt, um die Gefangenen in den Gefängnissen zu erlösen. Dans Esaïe 61, on nous parle de la délivrance. Also die Bibel sagt uns oder spricht über die Erlösung. Dans Marc chapitre 16, Jésus-Christ a passé son pouvoir et a ordonné que nous prêchions la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Dans Marc 16, Jésus nous a donné le pouvoir et nous a donné l'autorisation d'aller prêcher la bonne nouvelle. In Markus Evangelium im Kapitel 16 gibt uns Jesus Christus die Autorität, die gute Nachricht zu erzählen. Et là, il dit, regardez les signes qui vous accompagneront. Und da sagt er uns, seht die Zeichen, die euch folgen werden. En mon nom, in meinem Namen, vous chasserez les démons. Vous chasserez les Werdet ihr Dämonen austreiben? Tant aso ba boko chasser ba démons ni koloba na terme to loba kana délivrance boko sala ba délivrance. Donc quand il dit vous chasserez les démons dans le terme du ministère de délivrance, cela veut dire que vous ferez la délivrance. Also wenn sagt ihr werdet Dämonen austreiben, dann befindet sich in dem Wort austreiben die Erlösung. Tant on aso chasser un démon? Quand je chasse un démon? Wenn ich also einen Dämon austreibe. Et ça n'a raison que n'aso délivrer mutuana. Cela veut dire que je délivre quelqu'un. Dann heißt das, dass ich jemanden erlöse. Na, bitte, so, so, comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Versteht Donc, ihr das? Quand nous chassons un démon dans la vie de quelqu'un, wenn wir einen Dämon aus dem Leben eines Menschen so délivrer mutuana na échec ou bien na maladie ou bien na mort. Nous délivrons cet homme de l'échec, de la maladie ou de la mort. Dann erlösen wir die Person von Krankheiten oder des Todes. Quand nous chassons un démon, quand nous chassons un démon, wenn wir einen Dämon austreiben, nous changeons vie à mutuana. Nous changeons la vie de la personne. Nous le faisons quitter l'état où il était. Dann lassen wir ihn aus dem Zustand, nous l'enlevons de la possession. Wir erlösen ihn von der Besessenheit. Et plusieurs fois tu sali musala oyo. Quand nous faisons ce travail, und wenn wir diese Arbeit tun, nous voyons les résultats. Dann sehen wir das Ergebnis. Mais aujourd'hui, Nathan, comme il est difficile pour la Batanza, mais Moussous va comprendre le Cambo. Mais aujourd'hui, il est difficile à certains hommes de Dieu de comprendre ceci. Aber heute ist es schwierig für gewisse Diener Gottes, dies zu verstehen. La Bible dit dans les écrits que nous venons de lire. Jésus-Christ. Die Bibel sagt uns in der Bibel. Jésus-Christ. Avait convoqué ses disciples. Hatte mit seinen Jüngern gesprochen. Il leur a donné le pouvoir et l'autorité. Er sagt, ich habe euch Autorität und die Kraft gegeben. Il leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle deux à deux dans les villes et les villages. Und er sagte ihnen, geht, predigt die gute Nachricht in den Städten und in den kleinen Dörfern. Il ne les a pas envoyés sans rien, mais il leur a revêtu de sa autorité, de sa puissance. Und er sandte sie nicht ohne nichts, sondern mit der Kraft und der Autorität, die er hat. Et tant quand ils sont partis, und als sie dann gingen, après leur départ, c'est maintenant que nous avons lu, à leur retour, ils donnaient la nouvelle au Seigneur. Sehen wir, dass sie gegangen sind und dann
wo sie zurückgekommen sind, Jesus sagten, was sie erlebt hatten. Obtenu. Und sie waren in Freude, um zu sehen, die Resultate, die sie damit brachten. Comme c'était pour la, pour la première fois, comme c'était pour la, eux la première fois, weil es für sie das erste Mal war, qu'ils voient qu'il opère une délivrance et que la délivrance arrive. Als sie jemanden erlöst hatten, auf diese Art und Weise, chassaient un démon, ils chassaient un démon et le démon sortait. Und sie einen Dämon ausgetrieben hatten und den, der et Dämon wirklich cela leur a donné une grande joie. Gab es für sie eine große Freude. Ils retournaient avec une grande joie. Und sie kamen zurück mit großer Freude. Dans Marc chapitre 6, verset 12 à 13. Dans Marc 6, verset 12 à 13. In Markus Evangelium 6, 12 bis 16. Il est écrit quand ils sont partis opérer les signes que Jésus leur les a, pour lesquels Jésus les a als envoyés. Sie ausgingen, die Zeichen und Wunder zu tun, die Jesus ils avaient guéri beaucoup de malades. Hatten sie viele Kranke geheilt. Ils avaient chassé beaucoup de démons. Hatten sie viele Dämonen ausgetrieben. Et ils ont pu oindre d'huile beaucoup de personnes et ces personnes étaient guéries. Und sie salbten viele Menschen und die Menschen waren geheilt. Mais à leur rapport auprès du Seigneur. Aber als sie zum Herrn kamen, sagten sie. Seigneur a lebina bango. Le Seigneur leur a dit. Dann sagte der Herr zu ihnen. Ne vous réjouissez pas seulement. Seid nicht nur freudig, parce que les démons sont sortis. Die Dämonen rausgegangen sind. Ou pour les guérisons opérées. Oder für die Heilungen, die quand vous étiez au travail, à l'œuvre, als ihr arbeitet da draußen, na mona ki Satan. J'avais vu Satan. Dann sah ich Satan. Azaiko kitana kanda. Il descendait avec colère. Dann ist er heruntergekommen mit Wut. Comme un éclair, comme un tonnerre qui wie arrivait. Wie ein Blitz oder wie ein Donner. Mais n'ayez pas peur. Aber habt keine Angst. Parce que je vous ai donné le pouvoir. On a possible non. C'est que je vous ai donné cette Kraft gegeben hat. Das was ich euch gegeben habe. Scorpion, serpent. Vous pouvez marcher sur les serpents, sur le scorpion. Ihr könnt auf Skorpionen und Schlangen treten. Et l'autre moi comme ça la bino mabeza. Rien ne pourra vous nuire. On a possible non pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Ich habe euch die Kraft. Et l'autre moi comme ça la bino mabeza. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nichts kann euch schädlich sein. Alléluia. Dieu est vivant. Autrefois, nous à Bruxelles. Eines Tages in Brüssel. Je faisais une délivrance sur une dame. Da erlöste ich eine Frau. Moi, je crois, 38 ou 39 ans. Cette femme avait 38 à 39 ans. Sie war 38 oder 39. Cette femme n'était jamais tombée enceinte depuis sa naissance. Und sie war noch nie schwanger in ihrer ganzen in ihrem ganzen Leben nicht. Et quand le démon a manifesté quand le démon s'est manifesté en elle. Und die, als dieser Dämon sich offenbarte in l'esprit ihr. Les esprits commençaient à parler maintenant. Dann begannen sie zu sprechen. Dans la femme. In der Frau. Alléluia. Quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Dieu est vivant. L'esprit est comme Koloba. Les esprits parlaient. Und die Geister sprachen. La première chose, les esprits me posaient des questions. Das, als erstes fragten die Geister mich die Frage. Mais qui es-tu pour nous chasser? Wer bist du, dass du uns austreiben willst? Biso to kanga mabota na ye abotate. Nous nous avons saisi donc sa fécondité pour qu'elle n'ait pas d'enfant. Wir haben schon Platz genommen in ihrer Fertilität, damit sie keine Kinder bekommt. Moi, j'ai dit, vous allez lâcher cette fécondité, elle va être enceinte. Und ich sagte ihnen, ihr werdet ihre Fruchtbarkeit in Ruhe lassen und sie wird schwanger werden. Elle a commencé à m'insulter. Und sie hatte begonnen, mich zu beleidigen. Bêtise devant tout le monde. Elle m'a insulté avec des gros mots devant tout le monde. Und sie beleidigte mich mit schweren Wörtern vor parce allen Leuten. Parce que ce n'était pas elle, mais l'esprit qui habitait en elle. Aber es war nicht sie, sondern die Geister, die in ihr wohnten.
Mais moi, je n'avais pas fait attention à ces injures. Aber ich machte mich nicht aufmerksam auf das, was sie sagte. Mais j'ai fait attention à l'autorité et au pouvoir que j'ai. Aber ich machte mir Gedanken über die Autorität, die ich hatte. Jusqu'à ce que le démon est parti. Bis dass der Dämon herausgetrieben wurde. Quelques deux, trois mois, la femme a commis un zime. Deux à trois mois après, la femme est tombée enceinte. Und zwei bis drei Monate später wurde die Frau schwanger. Et aujourd'hui, elle a un bébé et le bébé a déjà un an. Und heute hat sie ein Kind und das Kind ist einjährig. Une autre fois, je faisais la délivrance en Angola. Eines Tages war ich in Angola. Une femme était restée dans le mariage 14 ans. Elle ne conservait pas. Et ceux qui ont la délivrance, quand on lui faisait la délivrance, elle frappait. Quand j'ai commencé à lui faire la délivrance, und als ich begann auszutreiben, j'ai vu qu'elle s'est retournée pour partir. Tellement que les gens étaient nombreux, je voulais poser la main à quelqu'un d'autre. Weil die Leute so viele waren, wollte ich die Hand auf jemand anderen auflegen. Or, cette femme s'était retournée pour prendre une position de me frapper, de me donner un coup de poing. Aber die Frau kam zurück und kam, um mich zu schlagen. Un coup de poing est entré à côté, à la poitrine. Je ne savais même pas que ça venait, mais ça faisait mal. Aber plötzlich schlug sie mich in meinen Körper und es tat so weh. Les protocoles l'ont prise, mais elle les a boxées comme une boxeuse. Die Assistenten halfen mir und nahmen sie fest, aber sie boxte Pasteur um sich herum. Et son pasteur est venu me dire, me souffler à l'oreille, abandonne. Cette femme a frappé beaucoup de gens, même les pasteurs. Der Pastor von ihr sagte mir, lass sie einfach sein. Sie hat schon so viele Menschen geschlagen. Halleluja. Quelqu'un m'entend ici. Quelqu'un m'entend ici. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Hört mich hier jemand? Halleluja. Dieu est vivant. J'ai un Dieu. Amen. Ich habe einen Gott. J'ai continué le travail avec tout le monde. Und ich machte weiter mit allen, die dort waren. Le lendemain, on est revenu. Und am nächsten Morgen kamen wir wieder hin. La sœur, elle s'est assise. Und diese gleiche Frau kam wieder und setzte sich. Quand j'ai fini de prêcher, und als ich fertig war mit der Predigt, les gens étaient assis. Setzten sich die Leute. On n'avait pas encore commencé le travail. Und wir hatten noch nicht angefangen mit der Arbeit. Je suis allé chez elle, je lui ai dit, viens. Und ich ging zu ihr und sagte, komm. Pas de protocole, nous deux seulement. Und ich sagte, keine Assistenten, nur wir zwei. Il a fallu Goliath na David bazala wana. Il a fallu que Goliath et David se trouvent sur le terrain. Und ich sagte, dass Goliath und David sich hier auf diesem Ort Je lui dis, lève tes mains. Und ich sagte, erhebe deine Hände. Quand elle a levé ses mains. Und als sie ihre Hände erhob. Au nom de Jésus. Quand j'ai dit au nom de Jésus. Und als ich sagte im Namen Jésus. Esprit naïwana est manifesté. Son esprit s'est manifesté. Dann manifestierte sich dieser Geist wieder. Il voulait prendre la position de frapper. Und sie positionnierte sich wieder um zu schlagen. Mais cette fois-là, elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas Parce pu. Que la puissance Weil, aber dieses Mal hatte sie nicht genug Zeit. Parce que la puissance m'avait accompagné. L'autorité en Azanango L'autorité que Und j'avais s'était levée parce que je peux utiliser le pouvoir, autorité. Je peux utiliser l'autorité. C'est deux choses. Oh, Jésus qui s'appelle ça qui n'a pas dit. Que Jésus avait donné aux disciples. Le pouvoir et l'autorité. Cette fois-là, on a tombé l'autorité. Cette fois-là, j'ai élevé mon autorité. Und dieses Mal erhebte ich meine Autorität. Elle ne pouvait plus avoir le temps. Und sie hatte nicht mehr die Zeit. Quand j'ai utilisé le pouvoir. Und als ich die Kraft brauchte, la distance, Nassimba qui était en salle,
Je n'avais même pas touché. J'ai fait seulement le geste avec les bras. On l'a soulevé, on l'a fait tomber par terre. Le pouvoir, le pouvoir, c'est ce qu'on appelle la puissance. Und diese Kraft vous me comprenez? Vous me comprenez? Diese Kraft ist, was wir brauchen heute. Alléluia. Dieu est vivant. Quand elle a été projetée à terre, quand elle s'est levée, und als sie sich wieder erhob, j'ai utilisé l'autorité. Dann brauchte ich die Autorität. C'est de quoi je veux vous parler maintenant. Amen. Und das ist das, worüber ich Amen. Heute Amen. Reden möchte. Amen. 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 Simon a délivrance, n'aie. Après sa délivrance, nach ihrer Erlösung, trois mois plus tard, elle est tombée enceinte. Wurde sie schwanger. Elle a eu un garçon. Und Moni, sie hatte einen Sohn. Voyez-vous, la joie de faire le service de délivrance. Seht ihr die Freude, die sich darin befindet, wenn man erlöst? Jésus a eu qu'on délivrer peuple naïf. Jésus est venu délivrer son peuple. Jesus Christus ist gekommen, um sein Volk zu erlösen. Il dit le champ est vaste. Er sagte, die Arbeit ist groß. Mais il y a peu d'ouvriers. Aber es gibt wenige, die für ihn arbeiten. Si tous les serviteurs se réjouiraient d'avoir cette grâce. Wenn sich alle Diener Gottes sich in dieser Gnade erfreuen würden. Si les frères et sœurs simples dans l'église se réjouiraient de prendre cette grâce. Und wenn sich auch die, die in der Kirche simple Arbeiten verrichten, in dieser Freude sich erfreuen würden. Notre église ne séchera pas. Dann würde unsere Kirche nicht austrocknen. Le protocole qui a conduit cette prière. Dieser Assistent, der dieses Gebet machte, il n'est pas diacre. Er ist nicht vom Dienste Gottes. Il n'est ni évangéliste, ni apôtre, ni pasteur. Er ist kein Evangelist, er ist kein Pastor. Si je lui demande de se lever et de te faire la délivrance, tu la recevras. Aber wenn ich ihm sage, erhebe dich und erlöse die Leute, dann werden sie erlöst. Parce que na libéré au père tata libéré pas une angaï. Parce que j'ai libéré ce que le père a libéré sur moi. Weil ich in ihm erweckt habe, was der Herr in mir erweckt le hat. Le pouvoir et l'autorité. Die Kraft und die Autorität. Alléluia. Dieu vivant. Pouvoir yango babengi puissance. Le pouvoir c'est ce qu'on appelle la puissance. Diese Kraft ist das, was wir in der wir die Kraft suchen. L'autorité. L'autorité, c'est l'autorisation. C'est la permission, l'autorisation. La permission, l'autorisation, die Autorität le mandat. Ist die Verfügung dazu. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qui est un policier à côté de ce lieu. Si un policier s'introduit ici en ces lieux. Wenn also ein Polizist hier an diesen Ort kommt. Ce qui a un mandat. S'il n'a pas de mandat. Wenn er keine Beschuldigte findet. Pour akangabi so ao. Pour nous arrêter ici. Um sie zu arretieren oder zu festzunehmen. Cela peut aller contre lui. Dann kann es gegen ihn vorgehen. Bo, azana mandat wanate. Parce qu'il n'a pas ce mandat. Bien sûr, er policier. Bien sûr qu'il est policier. Ja, er ist Polizist. Mais il n'a pas de mandat. Azana er autorité le colonne biso na minute. Il n'a pas autorité sur nous en ce moment. Und in diesem Augenblick hat er also keine Autorität über uns. Est-ce que mutimo azokanga? Quelqu'un m'entend? Je vois comme si vous ne compreniez pas. Ich sehe, als ob ihr mich nicht wirklich versteht. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Pouvoir. C'est la puissance. Le pouvoir, c'est la puissance. Diese Kraft ist, was uns gegeben wird. Quand Dieu a rencontré Moïse dans le désert, als Moses in der Wüste war,
Dieu envoyait Moïse pour faire la délivrance de son peuple en Égypte. Da sandte Gott Moses, um sein Volk in Ägypten zu befreien. Mais la Bible nous dit que Moïse refusait cette mission. Aber die Bibel sagt uns, dass Moses zuvorerst diese Mission ablehnte. Parce que Moïse savait que Pharaon était comme un dieu. Weil er wusste, dass der Pharao wie ein Gott war. Il avait le pouvoir. Er hatte die Kraft. Pharaon azalaki na magie. Pharaon avait la magie. Er hatte die Magie. Tu ne peux pas avoir la magie sans avoir la puissance. Du kannst keine Magie haben, wenn du keine Macht hast. Quelqu'un m'entend ici? Hört mich hier jemand? Moïse a somona ki akokende esika mutu aza na puissance asalaka ba miracle yakokende kuna nenge nini. Et Moïse s'est posé la question, comment se rendrait-il devant quelqu'un qui a la puissance, qui fait la magie? Und Moses fragte sich, wie kann ich mich vor jemanden zeigen, der so viel Macht und so viel Magie hat? Et à part permission Nzamba zo pesa pai ya Moïse, Nzamba pesi Moïse à libérer, à transférer puissance et pas à Moïse. À part la permission que Dieu donne à Moïse, Dieu a libéré, a transformé la puissance auprès de Moïse. Alléluia. Dieu est vivant. Ça va? Ça va? Allô, allô, OK. Und durch diese Kraft, die Gott Moses gegeben hatte, konnte er sein Volk verändern und erlösen. Il a dit à Moïse, und er sagte zu Moses, prends le bâton que tu as, nehme deinen Stock, den du hast, und wirf ihn zu Boden. Moïse a jeté le bâton. Und Moses warf den Stock zu Boden. La Bible dit que le bâton s'est transformé en serpent. Und die Bibel sagt uns, dass dieser Stab sich in eine Schlange verwandelt. Tu ne peux pas transformer le bâton en serpent s'il n'y a pas de puissance là. Du kannst keinen Stab in eine Schlange verwandeln, wenn du keine Kraft dazu hast. Quelqu'un m'entend? Versteht hier jemand? Êtes-vous d'accord avec moi? Seid ihr einverstanden mit mir? Si je jette ce micro par terre et qu'il devient un serpent, est-ce que tu resteras là? Wenn ich also dieses Mikrofon fallen lassen würde und es zu einer Schlange werden würde, würdest du da sitzen bleiben? Est-ce que tu resteras là? Würdest du wirklich da sitzen bleiben? Et ce serpent s'approchera de toi. Und wenn die Schlange nahe zu dir kommen würde, tu vas crier au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Moïse n'est pas bangaki. Moïse aussi avait eu peur. Und Moses zugleich hatte auch Angst. Il voulait fuir, dit la Bible. Und er wollte fliehen, sagt die Bibel. Et Dieu lui a dit, retiens-le par la queue. Und Gott sagte ihm, geh zu seinem Schwanz und halte ihn dort. Quand il a pris par la queue. Und als Moses die Schlange beim Schwanz packte, le serpent est revenu et redevenu le bâton. Dann wurde die Schlange wieder zu einem Stab. Dieu lui a dit, tu vois maintenant. Und Gott sagte ihm, siehst du jetzt? Il dit, prends ta main, mets sur ton ventre. Und er sagte, nimm deine Hand und tue es auf deinen Bauch. Quand il a touché son ventre, und als er seinen Bauch berührte, quand il a enlevé, und als er wieder die Hand wegnahm, la main était devenue lépreuse. Dann wurde seine Hand mit Lepra behaftet. La main était malade. Seine Hand war krank. Moïse a dit, hey Dieu, und er sagte, hey Gott, regarde ma main. Sieh meine Hand. Dieu lui a dit, touche encore ton ventre. Und Gott sagte, il berühre nochmal deinen Bauch. Und als er ihn berührte, Longola. Enlève. Ah, Longola, boy. Quand il a dann enlevé, nahm er ihn wieder weg und als er ihn wegnahm, sa main était guérie. Dann war seine Hand wieder geheilt. Moïse a compris que comme il a pouvoir. Et là, Moïse a compris qu'il était devenu, il avait une puissance, un pouvoir. Und da verstand Moses, dass er eine Kraft, eine Macht hatte. Alabina, il lui a dit, so, und Gott sagte ihm,
Il lui dit, quand tu arriveras là-bas, s'il ne croit pas, tu rendras l'eau du fleuve en sang. Tu transformeras l'eau du fleuve en sang. Und Gott sagte zu Moses, wenn du dahin kommst und sie dir noch immer nicht glauben, dann verwandle comment das Wasser in Blut. Transformer maï et comment makila, ce qui puissance exade. Comment peux-tu transformer l'eau en sang sans avoir la puissance? Und wie kannst du Wasser in Blut verwandeln, wenn du keine Macht Bible dazu hast? Banabiso. La Bible nous dit. Und die Bibel sagt uns. Jésus-Christ a bien perçu nos pouvoirs. Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus-Christ sagt, ich habe euch die Kraft gegeben. J'ai transféré la puissance vers vous. Und ich gebe euch die Macht dazu. Boko simba banyoka nyoke kozala impuissant ya kosala mabe. Vous saisirez des serpents et ils ne vous mordront point. Und ihr werdet Schlangen haben um euch um, aber ihr, sie werden donc, euch nicht wehtun. Azali habite na esprit ya serpent, ce qui na tchelo boko liko na ye. Quiconque est habité par un esprit de serpent, si je lui impose la main, il ne me fera rien. Und jeder, der durch eine Schlange betrübt wird und ich die Hand auflege, wird nicht mehr Halleluja. Davon betroffen sein. Dieu est vivant. J'ai imposé la main sur une femme. Ich habe die Hand auf eine Frau auferlegt. Und als sie hinfiel, ma main a été gonflée comme si j'avais un kyste. Und da, da schwoll meine Hand an, als ob ich Gist hatte. Halleluja. Dieu est vivant. Dans le diable, tu es menteur. J'ai dit, Dieu, tu es un menteur. Diable. Diable, tu es un menteur. Satan, diable, tu es un menteur. Diable, tu es un menteur. Satan, tu luxes, tu es un lugne. J'ai pris l'huile d'olive que j'avais. J'ai pris l'huile d'olive que j'avais. Und ich habe das Olivenöl genommen, auf diesen Ort getan. Dans l'immédiat qui tape bunga. Et j'ai commencé à déclarer devant ce gonflement diminue et disparaît. Und ich sagte aus über diese Schwellung und die Schwellung ging weg. Il ne s'était pas passé 5 minutes. C'était fini et toute la lourdeur était partie. Nach 5 Minuten war alles vorbei und es war wieder gut. Parce que j'ai le pouvoir. Weil ich diese Macht dazu habe. Que le Seigneur m'a donné. Die Macht, die mir der Herr gegeben hat. Quelqu'un m'entend. Donc, ce que c'est la démon, moi, ça, la question, tu as un démon dans ton corps aujourd'hui. Il l'écoute maintenant. Je lui dis qu'il écoute déjà. Ich sage euch, hört schon jetzt. Autorité, moi, ça, il y a une autorité sur place. Dann gibt es eine Autorität hier. Jetzt mit uns. Nazana mandat. J'ai le mandat. Und ich habe den Beschuldigten Nazana schon. Pouvoir. J'ai le pouvoir. Und ich Nazana habe mandat. Macht. J'ai le mandat. Und Nazana ich habe pouvoir. Den j'ai le pouvoir. Nazana mandat. J'ai le mandat. Nazana pouvoir. J'ai le pouvoir. Nazana mandat. J'ai le mandat. Nazana pouvoir. J'ai le pouvoir. Und ich habe die Macht dazu. Nazi ordre. J'ai reçu l'ordre de chasser les démons. De chasser les démons. Grund bekommen, die Dämonen auszutreiben. Quelqu'un m'a entendu. Que tout serpent aujourd'hui va sécher. Dass jede Schlange hier heute sterben wird. Je déclare que tout serpent aujourd'hui sèche. Und ich sage und deklariere, dass jede Schlange heute stirbt. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je déclare que tout serpent qui se trouve en ces lieux sèche. Ich deklariere, dass jede Schlange, die sich hier befindet, qu'il soit stirbt. Impuissant. Dass sie keine Kraft mehr hat. Akufa. Qu'il meure. Dass sie stirbt. Que tout serpent. Und dass alle Schlangen, Alobi, il dit, vous marcherez sur les scorpions. Ihr werdet über Skorpione und Schlangen treten. Le serpent ne marchera pas sur moi. Also wird die Schlange nicht auf mir treten. Mais moi, je marcherai sur le serpent. Je marcherai sur le serpent. Und ich werde auf die Schlange treten. J'écraserai la tête du serpent. Und ich werde ihren Kopf zerdrücken. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yami balé. Deuxièmement. Zweitens. Tangbomoni, le boko ya Moïse komakina lèpre. Quand la main de Moïse avait la lèpre.
als die Hand Moses Lepra hatte, après lèpre, on est comment qui guérit? Même si cette lèpre était guérie. Après lèpre, on est comment qui guérit? Als der Lepra weg war, also nachdem seine Hand geheilt war, c'est la même chose comme quelqu'un qui est malade ici. Jésus a dit, das ist das gleiche wie wenn jemand hier krank ist. Jésus a dit, und Jésus sagt, vous imposerez les mains aux malades. Ihr werdet die Hand et les malades seront guéris. Und die Kranken werden geheilt werden. Nous ne faisons pas parce que nous avons cette une connaissance. Und dann machen wir das nicht, weil wir einfach das Wissen haben dazu. Mais nous avons reçu l'ordre. Aber wir haben eine Verfügung mandat. Erhalten. C'est un mandat. Es ist eine Aufgabe. C'est un mandat. C'est un mandat. Es ist eine Aufgabe. Nous avons été envoyés. Wir sind gesandt worden. Qu'on nous a revêtus. Er hat uns mit dieser Aufgabe gekleidet. On nous a rendu capable. Er hat uns Verfügung gegeben darüber. Kapazité, biso. On nous a capacité. Die Kapazität gegeben dafür. Alléluia. Dieu est vivant. Je ne sais pas si nos cœurs sont prêts vraiment pour recevoir Makamonza Maninkosa. Je ne sais pas si nos cœurs sont prêts à recevoir les choses ich que weiß Dieu nicht, va ob faire. Unsere Herzen bereit sind, dies zu erhalten. Alléluia. Dieu est vivant. Na moni mingi Yesu Kristo kosala. J'ai vu beaucoup Jésus faire. Ich habe Jesus Christus viel machen gesehen. Je ne sais pas si la personne est là. Ich weiß nicht, ob diese Person hier ist. Je pense que je l'avais vu hier. Ich habe ihn gestern gesehen. Il m'a donné son témoignage. Und gab mir sein Zeugnis. Sa sœur est venue me voir à Paris quand je faisais l'œuvre. Und seine Schwester kam zu mir in Paris als ich dort arbeitete. Elle est venue avec une photo. Und sie kam mit einem Foto. Elle a dit son fils en Angola souffrait du sida. Und sie sagte mir, ihr Sohn, der in Angola ist, hat AIDS. Cet enfant était jeune, âgé de 25 ans plus ou moins. Und dieser Junge war sehr jung, ich glaube etwa 25 Jahre alt. La maman était attristée. Und die Mutter war so traurig. Elle a pris la photo. Und sie nahm das Foto. Elle me l'a remise. Und gab es mir. J'ai levé seulement. Und ich habe es nur hochgehalten. Und ich habe gebetet. Je vous ai dit hier. Und ich sagte euch gestern. Foi, la foi n'a pas de distance. Der Glaube kennt keine Grenzen. La foi, der Glaube n'a pas de barrière. Hat keine Grenzen. Foi. La foi, der Glaube n'a pas besoin d'acheter des billets pour voyager. Er braucht foi, kein Ticket zu kaufen, zu la reisen. Foi, c'est croire. Der Glaube ist zu glauben, dass es ist. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hört mich hier jemand? J'ai prié avec la photo. Und ich betete nur mit dem Foto. J'ai dit à la maman du jeune homme. Und ich sagte zur Mutter des jungen Mannes. Je lui ai dit, dis à ton fils d'aller à l'hôpital pour se faire examiner. Und ich sagte ihr, sag deinem Sohn, dass zum ins Spital gehen soll und sich untersuchen lassen soll. Après quelques semaines, und nach wenigen Wochen, le fils est allé rechercher le résultat. Ist der Sohn wieder zurück ins Spital, die Resultate zu sehen? Le résultat était négatif. Je dis bien que le résultat était négatif. Je n'ai jamais vu ce jeune homme de mes yeux, mais sur la photo seulement. Und ich hatte diesen jungen Mann noch nie gesehen, aber nur auf dem Foto. Lobby nazana réunion na famille na bambima ba musu ba kuta ba France ba ceux qui va le man ba royal lobby.
Parce que c'est un grand miracle. Demain, j'ai un rendez-vous avec toute sa famille. Certains viendront de France, d'Allemagne, parce qu'il y a eu un grand miracle. Und morgen werde ich die ganze Familie treffen, weil es eine große, weil es große Wunder gegeben hat. Alléluia! Dieu est vivant. Nous avons reçu cette grâce de rencontrer Dieu. Wir haben diese Gnade venant de Dieu. Von Gott. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce. Pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. L'autorité. Et il nous a donné l'autorité. Hat uns die Autorität gegeben. Alléluia. Dieu est vivant. Si un policier circule dans la rue, also wenn ein Polizist umhergeht, tu le vois avec sa tenue de policier. Déjà, tu vois que c'est une autorité. Dann siehst du, dass es eine Autorität ist. Si il demande à ta voiture de s'arrêter, tu dois t'arrêter. Und wenn fragt, dass du dich mit deinem Auto, dass du anhältst, dann musst du anhalten. Ne dis pas que c'est une femme. Dann sag nicht, ah, es ist eine Frau. Parce qu'il a le mandat de faire ça. Weil sie hat die Aufgabe, dies zu tun. Si tu t'entêtes, il peut tirer sur ta voiture, sur les pneus de ta voiture, et ta voiture va rester là. Und wenn du Stolz zeigst, dann kann sie ihre Waffe nehmen. Parce que und sa force, dein Auto beschießen. Parce que ça, c'est sa puissance, sa force. Weil es ist ihre Kraft, ihre Macht dazu. Halleluja. Dieu est vivant. Dala. Regardez. Seht her. On ne joue pas avec le revolver. Man spielt nicht mit einem Revolver. Quelqu'un qui se tient devant nous ici avec une arme. Wenn jemand hier sich befindet mit einer Waffe, il commence à vous dire et vous tous ici passez. Et tous mes protocoles grands, géants, agenouillez-vous, vous allez le faire. Die groß und kräftig sind. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hört mich jemand? Yes! Jésus nous a donné le pouvoir. Jesus Christus hat uns die Macht de chasser les mauvais esprits. En d'autres termes, de délivrer le peuple de Dieu. Und das Volk Gottes zu erlösen. De faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte du péché. Um die Leute Gottes von den Sünden in Ägypten zu befreien. De faire sortir le peuple de Dieu des pleurs, des souffrances. Um das Volk Gottes von ihren Tränen und ihren Leiden zu befreien. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Es gibt viel Arbeit zu tun, aber es gibt wenig Arbeiter. Halleluja. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne peux-tu pas te réjouir que Dieu te revête d'une telle puissance? Hast du nicht den Grund dazu, Gott zu loben, weil sich offenbart in seiner Macht? Et Dieu nous a revêtus de cela. Und Gott hat uns neu gekleidet in diese Herrlichkeit. Et il nous a envoyés. Und hat uns gesandt. Allez-y. Amen. Geht hin. Prêchez la bonne nouvelle. Predigt die gute Nachricht. Aidez les autres. Und sagt den anderen. D'autres ne dorment pas, n'arrivent pas à dormir. Es gibt Menschen, die nicht schlafen. Comme notre frère qui vient de Norvège. Der von Norwegen kommt, unser Bruder von Norwegen. 9 ans de souffrance. 9 Jahre lang litt er. Les choses que j'ai vues dans ce ministère. Die Sachen, die ich in der Arbeit, in der nous Kirche gesehen habe. Nous devons aider les autres. Dann müssen wir einander helfen. Il y a différents cas. Es gibt verschiedene Situationen. Alléluia. Dieu est vivant. Es sana batu musu bazana ba maladie mususu na médecin ba komuna te maza malade. Il y a des malades dont la maladie n'est pas détectée par la médecine, mais ces gens sont malades quand même. Es gibt kranke Menschen, die von der Medizin her nichts aufweisen, aber trotzdem krank sind. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mein Herr.
Que Dieu guérisse. Möge Gott heilen. Que Dieu délivre. Möge Gott erlösen. Que Dieu vienne nous visiter. Möge Gott que Dieu vienne à notre secours. Alléluia. Möge uns Dieu erretten. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Quand j'ai prié aujourd'hui à l'hôtel, als ich im Hotel heute betete, boule moko na libum na ye et ça la kaye passi 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 tout le temps. Dieu dit que il y a une femme qui a une boule dans le ventre qui lui fait mal, mal, très mal Merci. Tout Dann le temps. Dann sagte mir Gott, une dass femme. Es eine Frau hier gibt, die wie einen Knoten im Bauch hat und der ihr Imagine sehr weh tut. Imagine sa révélation à Nengwana. Imagine-toi que Dieu donne une telle révélation. Cela veut dire que pas Stell dir vor, wenn monde. Dir Gott eine solche Révélation gibt. Cela veut dire que la souffrance que cette femme a, dann will das heißen, dass das Leiden dieser Frau n'est groß pas moindre. Ist. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hört mich hier jemand? Alléluia. Dieu est vivant. God Il y en a qui vit ici dans cette ville pendant 20 ans. Es gibt Menschen, die hier in dieser Stadt für 20 Jahre séjour exaté. Pas de séjour. Moussale exaté. Pas de travail. Die keine Arbeit Mdako haben. Exaté. Pas de maison. Keinen Ort zum Leben. Vie exaté. Keine Wohnung. Pas de vie. Avenir Kein exaté. Leben. Pas d'avenir. Keine Zukunft. Si Dieu ne les délivre pas, und wenn Gott sie nicht erlöst, sa foi va tomber par terre. Dann wird der Glaube et plus tard, il ne sera plus croyant. Und später wird die Person nicht mehr glauben. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hört mich hier jemand? Acclame pour le Seigneur. Klatsche für den Herrn. Dis, Dieu, viens avec ton secours auprès de moi. Sag zu Gott, komm und erlöse mich hier. Dieu, viens me délivrer. Komm und erlöse mich, Gott. Dieu ne peut pas venir te délivrer si cela ne vient pas du fond de ton cœur. Gott kann dich nicht erlösen, wenn du dieses Bedürfnis nicht von deinem Herzen aus hast. Es-tu d'accord avec moi? Alobi. Zuerst zu. Ban Israël na Égypte. Les enfants d'Israël en Égypte avaient souffert in Egypten, 4 siècles et demi. Pendant 4 siècles et demi. Et la Bible dit qu'ils avaient pleuré. Ils avaient pleuré. Ils avaient pleuré. Et Dieu était descendu. Ist herabgekommen. Amoni. Il avait vu leur souffrance. Wie die Leute Et là, il a dit à Moïse. Sagte er Moses, geh. Alléluia. Dieu est vivant. Peut-être une famille moko, peut-être mutu moko na Zurika wazai ko benga nzambe. Nzambe, tala likambo yo. Peut-être que quelqu'un, une personne à Zurich invoquait Dieu. C'est pourquoi je suis là. Vielleicht betete eine Person hier in Zürich und deshalb bin ich hier. Oh, merci Seigneur. Merci Danke, Seigneur. Herr. Merci Seigneur. Alléluia. Moko abik awa lelo. Que quelqu'un guérisse aujourd'hui. Moko azwa délivrance. Que quelqu'un reçoive la délivrance. Moko azwa guérison. Que quelqu'un reçoive la guérison. Moko amona miracle. Que quelqu'un voie son miracle. Moko afongwa mana prison. Que quelqu'un soit libéré de la prison où il est. Que quelqu'un devienne libre aujourd'hui. Père, je te rends gloire. Ich gebe dir alle Herrlichkeit. Peut-être une seule personne m'a invité pour venir ici. Vielleicht hat mich nur eine Person eingeladen, hierher zu kommen. Parce que na koyeko yawa te. Soki mongongo moko te lele pa na nzamba. Parce que je ne pouvais pas venir ici s'il n'y avait pas eu une voix qui a crié à Dieu. Weil ich hätte nicht herkommen können, wenn es keinen Schrei gegeben hätte. J'ai bien dit, tu peux être policier. Si tu entres ici, cela peut retourner contre toi, à moins que tu aies un mandat. Ich sage, du könntest sogar Polizist sein, aber wenn du keine Arbeit hier findest, dann kann es gegen dich vorgehen. Je suis venu parce que Dieu a dit, va. Si je dis pas, c'est parce que quelqu'un était attaché, il doit être libéré. Und wenn ich sage, geh, dann ist es, weil jemand gebunden Alleluia. War und erlöst Dieu est vivant. Voilà pourquoi quand je vais prier pour vous, donne la place au Seigneur d'agir. Dann gebe dir den Platz Gott, um in dir zu wirken. Ennemi à foi est à doute. L'ennemi de la foi, c'est le doute.
Unser Gegner manchmal ist der Zweifel. L'ennemi à foi est l'incrédulité. L'ennemi de la foi c'est l'incrédulité. Unser Gegner manchmal ist der Unglaube. L'ennemi à foi est akobanga. L'ennemi de la foi c'est la peur. Und der Gegner des Glaubens ist die Furcht. Écoutez, certains d'entre vous qui êtes ici. Ton cœur n'est pas préparé à recevoir cette grâce. Tu es possédé et Dieu veut te délivrer, mais Dieu ne le fait pas parce que ton cœur n'est pas prêt à recevoir cette grâce. Du bist vielleicht krank und möchtest geheilt werden, aber dein Herz ist noch nicht bereit und deshalb kann Gott dir diese Gnade noch nicht geben. Tu ne veux pas confesser ton péché? Du willst deine Sünden nicht bezeugen, bekräftigen. Alléluia. Dieu est vivant. Yes, alobaki na motuana, tes péchés sont pardonnés parce qu'à mon qui péché, m'tiala qui cause y a problème na. Dieu a dit à cette personne, tes péchés sont pardonnés parce qu'il a trouvé que c'était le péché la cause de son problème. Und Gott, Jesus sagte zu dem Kranken, deine Sünden sind dir vergeben, weil er merkte, dass die Sünden die Ursache seines Problems waren. Tel que je me tiens ici. J'ai le pouvoir. J'ai l'autorité de pardonner ton péché, de chasser les démons, de permettre la guérison, de permettre la délivrance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu est avec nous ici aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. Quand je te toucherai, ou quand les serviteurs de Dieu te toucheront, c'est que je veux voir que ton cœur parle déjà à Dieu. Ouvre-le. Ouvre ton cœur. Enlève l'incrédulité. Geh weg mit deinem Unglaube. Pourquoi tu gardes les démons dans ton cœur? Wieso behältst du die Dämonen in deinem Herzen? Si les démons commencent à se manifester, plusieurs ont entendu la voix des démons, quitte les lieux et ils sont partis. Und viele hörten die Stimmen der Dämonen, geht raus und sie sind gegangen. Ou si quelqu'un qui est saisi par le Saint-Esprit ici, qui manifeste. Oder wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist. Et l'autre aura peur pour passer devant maintenant. Aber jemand anders hat dann Angst hervorzukommen. Plusieurs d'entre vous, vous m'avez vu pour la première fois aujourd'hui et vous me voyez sur YouTube à la télé. Viele von euch sehen mich zum ersten Mal hier oder haben mich schon auf YouTube oder im Fernsehen gesehen. À la télé, tu me trouves grand, un peu gros, tout ça. Und im Fernsehen siehst du mich, dann bin ich groß und ein bisschen dick. Et aujourd'hui en face, quand tu me vois, tu te poses la question, c'est vraiment lui? Und heute, als du mich siehst, dann fragst du dich, ist das wirklich er? Il m'avait touché. Je n'ai rien ressenti. Ne dis pas ça. Si tu veux que mon Dieu te dévoile, va dehors. Wenn du willst, dass mein Gott mir Schlechtes tut, dann geh hier. Alléluia. Dieu est vivant. Le problème, c'est pas toi, mais le problème, c'est l'esprit et la maladie, la possession démoniaque qui habite en toi. Das Problem bist nicht du, sondern diese Krankheit oder dieser schlechte Geist, der in dir wohnt. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Basusu na simba na loboko, tant na simbi. Plusieurs que j'ai touchés en retournant, ils commençaient à vomir du sang et ils se sont retrouvés à l'hôpital. La quantité du sang. Haben auf dem Heimweg Blut erbrochen und sind ins Spital geführt worden. À l'hôpital, ils ont cherché là d'où provenait le sang, ils n'ont pas trouvé. Und im Spital suchten sie, woher das Blut kam, aber sie fanden nicht. Abimi azoko lebaka atika makambona akena nzira jare na miswa batu jare bila mbebi. Plusieurs j'ai touché et ils se disaient il m'a touché mais il n'y a rien, mais en route ils ont fait la diarrhée et même ils ont honoré l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Honore l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Aber nichts passierte, aber auf dem Weg hatten sie gemerkt, dass sie Durchfall hatten. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Nous sommes venus combattre le diable, pas combattre la chair.
Nous sommes venus combattre le diable, mais pas la chair. Wir sind hierher gekommen, um den Satan zu bekämpfen und nicht den, das Fleisch, den Körper. Chez nous, on disait, si tu ne me connais pas, ferme ta bouche, reste tranquille. Parce que nous sommes, sage ich, wenn du mich nicht kennst, dann sei still, weil Gott, Dieu, Gott, on ne se mesure pas à lui. Mit Gott, man misst sich nicht mit Gott. Alléluia. Dieu est vivant. Dans le domaine de la foi, dans le domaine de la foi, in der Sache des Glaubens, et ça, c'est au mission, à bisous, au monde. Ce n'est pas ce que nos yeux voient. Ist es nicht, was unsere Augen sehen. Mais ça, on s'en bat, ça, là. C'est ce que Dieu fait. Denn ist es aber, was Gott tut für uns. Vous m'avez entendu, bien entendu. Versteht ihr mich? Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Je te prépare. Alors rendons grâce à Dieu. Tel que tu es assis, lève tes mains. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire à Dieu, fais pour moi des choses. Fais pour moi des grandes choses. Fais pour moi des miracles. Fais pour moi des grandes choses. Oh, my God. Oh mon Dieu. Commence à prier. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Fais pour moi des grandes choses. Tu fais pour moi des grandes choses.